changement. Aidez-moi. Pain au chocolat. Fracture. Bleu marine. Ça suffit. Certains, finalement, souverainistes de gauche, font exactement le même discours que l'extrême droite. Exactement. C'est quand il s'agit de réforme économique, quand il s'agit d'ouverture, quand il s'agit de mondialisation, quand il s'agit de l'Europe et de ses institutions, certains souverainistes de gauche et l'extrême droite ont exactement le même discours. Ce qui se passe aujourd'hui est effectivement dicté par M. Barroso, mais M. Hollande est d'accord. Il a signé le traité qui le rend possible, il a signé le traité qui autorise la Commission européenne à faire des recommandations à la France, à prendre des sanctions si ces gens qui ne sont élus par personne ne sont pas contents de la politique. Donc attendez, ça veut dire qu'Arnaud Montebourg devrait s'en prendre au président lui-même ? Ah bah c'est sûr. Si Barroso est le carburant, Hollande est le pompiste. C'est... Ça fait plusieurs semaines que Gilles Carrez, président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, annonce la baisse des recettes de l'État. Il y a un effondrement des recettes fiscales. Alors qu'est-ce qu'on fait ? L'impôt société ne rentre pas. Non, ce qu'on demande pour l'instant, ce que nous exigeons, c'est la vérité sur les chiffres. Et donc nous exigeons un collectif budgétaire comme ça se fait traditionnellement pour qu'on sache où on en est. Je les trouve quand même, ces députés de l'opposition, singulièrement gonflés. Ils font leur travail ? Ils font leur travail, mais nous faisons notre travail qui est de réparer, qui est de redresser des comptes publics qu'ils ont dégradés comme cela n'est le cas dans aucun autre grand pays de l'Union européenne. Vous trouvez normal que DSK, d'une certaine manière, soit réhabilité, puisque finalement, il va donner ses conseils aux parlementaires français demain sur la crise internationale et les finances. Pour vous, c'est terminé, cette affaire ? On est dans un monde où on a le sentiment... C'est Bernard Cazeneuve qui a souhaité qu'il soit entendu par les parlementaires. Écoutez, on est tombé dans un espèce de magma aujourd'hui, où le gaulliste que je suis ne se satisfait pas de cette ambiance politique délétère qu'on a créée dans notre pays. À tous les niveaux, qu'elle soit à gauche ou à droite. Si aujourd'hui il n'y a pas un député du Front National supplémentaire à l'Assemblée nationale, c'est parce que les électeurs de gauche ont fait le job et sans faire la fine bouche. Et c'est pour ça que j'ai un peu les boules, pardonnez-moi l'expression, d'entendre l'UMP aujourd'hui vouloir enterrer ce réflexe de barrage au Front National. Il a encore du sens aujourd'hui. Pourquoi le Front Républicain n'a-t-il pas fonctionné selon vous ? Je pense que c'est comme le vaccin de la grippe. C'est-à-dire que quand on le trouve, il fonctionne très bien. Et puis de grippe en grippe, s'il n'est pas réactualisé, eh bien... il peut avoir y compris des effets négatifs. Pour ma part, je considère que le Front Républicain, il est mené lorsqu'on est au moins deux. Ce qui est nouveau, ce n'est pas le slogan populiste UMPS qu'on a entendu crier sur vos images. Ce qui est nouveau, c'est l'émergence en France du FN-UMP. Et que cela doit nous interpeller sur la systématicité de l'appel au Front Républicain venant de la gauche. Vous étiez sa ministre de la Justice, vous étiez ministre de la Justice au moment des faits. Vous n'avez jamais eu à connaître ce dossier ? Non. C'est quand même surprenant. En tous les cas, je n'ai pas eu à connaître ce dossier et je m'en serais bien gardée, je dois dire. Sauf que la décision de l'arbitrage... Pourquoi vous vous en seriez bien gardée ? Mais parce que la décision de l'arbitrage... Vous sentiez que c'était dangereux ? Pas du tout, non. La décision de l'arbitrage est une décision politique qui incombait au ministre de l'Économie. Et vous regrettez de ne pas avoir été consulté aujourd'hui ? Mais non, mais ce n'est pas le sujet. Cette décision ne m'incombait pas. Cette décision ne m'incombait pas. Vous n'êtes pas un peu vexé de vous dire qu'il y a un conseiller justice à l'Élysée qui est dans la réunion et pas moi ? Je vais vous dire une chose. Sur les emmerdes, je ne suis pas vexé de ne pas en avoir. Encore moins aujourd'hui.